comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est là, on est venu jusque cette énorme plage. Regardez, regardez-moi cette énorme plage les gars. On est venu jusqu'ici parce que j'ai reçu un message de la petite sirène. Elle serait apparemment poursuivie par Ursula, la sorcière des mers. Oui, 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 vous avez très très bien entendu. Oh là là là, mec, faut qu'on aille l'aider au plus vite. Bien sûr qu'il faut aller l'aider, c'est pour ça que je suis équipé du drone. Dans un premier temps, on va falloir très très vite essayer de retrouver la petite sirène. Elle devrait se retrouver ici même au bord de la plage normalement, ou bien sinon elle sera plutôt de l'autre côté au niveau des rivages. Allez, ça y est, nous ce qu'on fait c'est qu'on fait décoller le drone et puis c'est parti pour aller essayer de secourir la petite sirène. Allez, let's go. Allez, ça y est, c'est parti, le drone est déjà dans les airs les gars. Et alors là, moi je vous le dis, ce qu'on va faire c'est qu'on va directement survoler tous les bords de plage de tout autour. Et oui, et la mission du coup c'est d'essayer de retrouver la petite sirène qui serait apparemment en danger. Et oui, elle est en danger. Mais oui, elle est en danger à cause de cette foutue sorcière des mers qui est Ursula. Oui, 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 oui. C'est ah clairement la sorcière des mers. Et elle, sa mission, c'est de jeter des sorts à travers tous les fonds marins. Et c'est terrifiant, c'est terrifiant. Oh, oh, regarde, regarde, c'est quoi ça? C'est plein, il y a plein de poissons là, non? Wow, il y a une famille de poissons. Oh mec, quand les poissons se réunissent, ça veut dire que les fonds marins sont maudits. Et ça veut dire que la sorcière Ursula est dans les parages. J'en suis sûr, j'en suis sûr. Ouais, ouais, ça c'est vrai. C'est vrai les gars, regardez-moi, mais il y a combien de poissons? Essaye de compter les poissons, non? Il y a au moins une vingtaine. Ah ouais mec, ils sont au moins une vingtaine je crois là. Oh là là. Ok, attends, attends. Bon, nous, la mission, je vous le dis, c'est déjà retrouver la petite sirène. Elle doit être terrifiée, carrément terrifiée je crois. Bah oui, bah c'est sûr, c'est sûr. Attends, si elle se fait carrément poursuivre par Ursula, la sorcière des mers, ça doit vraiment, vraiment être terrifiant. Elle doit être en alerte, elle doit être en alerte totale, c'est sûr. Ah bah tu vois, là, c'est le poste de secours. Ah, on est juste à côté, tu vois. On est tout juste, on est juste derrière le poste de secours, je crois. Ouais, les gars, voilà, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Moi ce que je veux, c'est la petite sirène. Ok, on va continuer à survoler tout autour de la plage. Regarde, c'est une plage vraiment très très grande. Donc du coup, on va faire tout le tour. Attends, attends. Oh, ouais. Elle est dans l'eau. Regarde dans l'eau là. C'est la sirène. Ouais. On l'a trouvée. Check ça, check ça. Let's go. On a la sirène. Déjà, attends, déjà, on a trouvé la petite sirène. Mais apparemment, du coup, elle se ferait poursuivre par Ursula. Ouh, faut rester très très vigilant là. Bah oui. Là, pour le coup, va falloir avoir l'œil très très avisé, les gars. Je peux vous le dire que si vous vous apercevez de quelque chose qu'on s'est même pas rendu compte, il faut nous le dire. Comme d'habitude, les gars. Dites-le nous, les gars. Dans les commentaires, dans les commentaires. Ouh, et attends, attends, Sim Spooky, tu peux bien remarquer que la petite sirène est en train de sortir de l'eau en catastrophe. Ah ouais. Comme si qu'elle se faisait poursuivre. Ah mec, à mon avis, c'est sûr, elle se fait poursuivre par cette sorcière là, Ursula là. Encore. C'est sûr et certain. Elle est en danger, elle est en danger. Et là, ça se voit. Je crois qu'elle ose même plus retourner dans l'eau. Elle ose plus du tout retourner dans l'eau. Elle fait même pas quelques pas dans l'eau. Et attends, attends, regarde, elle a peur. Elle est terrifiée. Elle est terrifiée. Oh là là. Le pire, c'est qu'on le sait, une sirène ne peut pas rester très très longtemps hors de l'eau. Elle est obligée de retourner dans l'eau à un moment donné. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Hein. Ça veut dire que là, elle est vraiment vraiment en danger. Attends, là, je pense qu'en fait, la sorcière l'empêche de retourner dans l'eau. Elle est en train de la chasser. Ah oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est triste, les gars. La petite sirène se fait complètement chasser par Ursula. Je te jure, c'est trop une dinguerie. Non, mais attends. Ah bah là, c'est sûr que si elle retourne dans les eaux profondes, elle va se faire attaquer. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais la chose qu'il faut se dire, c'est qu'elle est obligée de retourner dans les eaux profondes. Ah oui, c'est son état naturel, quoi. Bah oui, normal. Non, mais regarde, ça se voit. Elle essaye à tout prix de retourner dans l'eau, mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Je pense que c'est la sorcière qui l'empêche de retourner à l'eau. Ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr et certain, mais. Elle est contrainte de s'enfuir là, c'est vrai. Elle est obligée, obligée de s'enfuir, ça se voit. Mais oui. Elle est vraiment terrifiée, ça se voit, ça se voit. Regarde là, mec. Elle a l'air complètement perdue. Oh, la pauvre petite sirène. Attends, mais là, franchement, pour le coup, elle est totalement perdue. À mon avis, elle essaye de retrouver un autre endroit pour pouvoir replonger dans les eaux profondes. Oui, oui, oui. Peut-être que ça va fonctionner, mais peut-être pas. Hein. On croise les doigts. On croise les doigts, les gars. Elle est perdue. C'est super triste. Elle ne retrouve même plus ses repères. Et le pire, c'est qu'elle ne peut même plus retourner à l'eau. Ah, la sorcière Ursula est trop cruelle. Mais ouais, non, mais attends, mais trop, c'est trop. Non, mais là, faut... ah ouais. Regarde. Elle est direction le ponton, là où il y a le stationnement des petits bateaux. Là je pense qu'elle va pouvoir retourner à l'eau. Ouais, là elle va pouvoir plonger. Oui, oui, là c'est bon, normalement il y a plus la sorcière. Non, oh non, attends. Ah bah si, elle est là. Elle est encore là, c'est si. Oh là 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 là. Oh non, c'est foutu, ça y est, c'est foutu. C'est mort, c'est mort. Oh non, mais alors là, c'est pas possible. Mais attends, mais la sorcière, elle est partout. Partout, de partout. Peut-être penser à qu'on aille l'aider, peut-être là, non? Tout de suite là? Ah oui, oui. Non, non, attends, attends, Sim Spooky. Attends, là, Oh là là. Pas tout de suite. Pas tout de suite.
Ok, attends. Qu'est-ce qui se passe encore attends, là? Non. Elle part de l'autre côté, de l'autre côté. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée pour esquiver la sorcière. Mais ah ouais, là, je pense qu'elle va pouvoir plonger à l'eau. Là, c'est bon. Non, c'est bon là. Non, non, mon ami, là, je crois pas, mec. Elle peut pas. Elle peut toujours pas. Pourquoi je sens encore la présence de cette foutue sorcière là? Ah ouais, non, mais c'est abusé, c'est abusé. Mais je pense qu'en fait, Ursula, la sorcière des mers, est profondément dans l'eau et elle empêche complètement la petite sirène de retourner dans l'eau profonde. Eh ouais. Et là, je peux te dire, Optech, je crois qu'elle est foutue. C'est fini pour elle. Dis pas ça. Oh, et ben voilà, regarde, tu vois. Là, je pense qu'elle a trouvé une solution. Regarde, crois. Elle s'est mise sur un genre de petit bateau. Et là, je pense que c'est un moyen de pouvoir esquiver la sorcière des mers. Oh, elle a plongé. Attends, on la voit plus du tout, gros. Elle a plongé? Non, si, regarde, on la voit. Ah, ça y est. On la voit. Elle a plongé. Elle a osé plonger. Et là, je crois qu'elle a pris le risque de se confronter à cette sorcière Ursula. Ouais. Elle est courageuse, hein. Elle est courageuse, la petite sirène. Attends. Oh, GG, hein, franchement. Elle est où, la petite sirène? Je sais pas, je crois, elle a disparu. Ah, mais non, mais je sais. Ah. Elle est partie dans les profondeurs. Eh oui, c'est pour esquiver la Ursula. Bah oui, la sorcière. À mon avis, elle est partie dans les profondeurs pour vite se cacher, hein. Eh bah oui, il faut vite esquiver Ursula. Moi, je vous le dis. Attends, oh, je suis curieux. Oh, c'est une spooky. Ouais, tu sais que je peux normalement activer l'option sous-marin. Le drone peut aller sous l'eau. Oui. D'ailleurs, les gars, c'est mon tout nouveau drone. Je peux vous dire qu'il est très très puissant sous l'eau. Bah, on y va. Vas-y, va sous l'eau. Qu'est-ce que t'attends? Oh ouais. Bah vas-y, va les drones. Okay, vas-y. Les gars, fonce. On va tout doucement rentrer dans l'eau. Attention. Il faut juste activer l'option sous-marin. Et c'est parti. Okay. On est sous l'eau. Vas-y, va dans les profondeurs. Essaye de rattraper la sirène. Mais oui. Et regardez les gars. On est actuellement là dans le corail. Il y a plein de petits poissons. Oh, c'est trop mignon. Les petits poissons. Alors attends, faut rester concentré. Les gars, nous, ce qui nous intéresse du coup, c'est la petite sirène. Et là, je crois que normalement, on pourrait aussi apercevoir la sorcière des mers. Ah, tu parles de Ursula là? Fais attention qu'elle ne voit pas le drone. Hein. Attends, laissez-moi naviguer tout doucement. La sirène, let's go. Elle est là les gars. Oh, let's go, je crois qu'elle a réussi à partir dans les eaux profondes pour réussir à se cacher de cette sorcière Ursula. Eh ben oui, il faut le dire, elle est toujours poursuivie par la sorcière. Et oh bah regarde, c'est le cas de le dire, elle est là. Là, wow. Là gros. Fais attention. Elle est terrifiante. Non, aïe, fais attention. Tu penses qu'elle a vu le drone ou pas? Je sais pas, peut-être en tout cas, arrête tes précautions, hein, je te le dis. Hein. Arrête de me faire peur, Sim Spooky. Non. Tout doucement. Eh ouais, je pense que la sorcière est beaucoup plus préoccupée par la sirène que par nous, le drone, ouais, tu vois. Je pense que, ouais, heureusement. Ah, heureusement, je peux vous le dire que... Attends, non, là. Regarde, c'est la sirène. Elle se fait complètement poursuivre. Regardez, la sirène se fait complètement poursuivre par la sorcière. Oh là là, je crois que la sorcière vient de jeter un sort sur la petite sirène. Attendez, alors là il s'est passé quelque chose et puis je crois que du coup la petite sirène a pris la fuite. Elle est retournée sur le bord du rivage, je crois, non? Tu crois qu'elle est retournée sur la terre ferme? Oui, va faire. Faut aller l'aider. On est obligé d'aller l'aider là, non? C'est quoi, Roptek? Je me propose et je me dévoue pour pouvoir aider la petite sirène. C'est quoi? On va aller l'aider à deux. Viens. Tu vas rester ici avec le drone. Tu vas me surveiller avec le drone pendant que moi je vais essayer d'aller aider la petite sirène. Attends, tu penses que tout seul tu vas y arriver? Oui. T'inquiète pas. J'y vais. T'inquiète pas. Je vais gérer la situation. Allez. T'inquiète pas. Attends, c'est Spooky. Attends. Fais attention à la sorcière. Il est parti. Waouh, là c'est ouf ce qui se passe. Moi je vous le dis, et vous savez quoi, on va le surveiller avec le drone. Oui, on va le surveiller ensemble avec le drone. Je pense qu'on va se rapprocher du bord de la plage. Ouais, on va se mettre au niveau de la plage. Venez. Let's go. Eh bien voilà, on est à l'arrivée de Sim Spooky là dès maintenant. Allez, finger crossed les gars. On croise les doigts. Et là, je vous le dis, j'espère que vraiment que Sim Spooky va assumer. Ouais, il est courageux. Bah, il décide carrément de s'approcher de la petite sirène. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir la secourir. Mais oui, elle a l'air complètement désespérée. Et le problème, c'est que si elle reste trop longtemps hors de l'eau, la petite sirène, elle peut complètement mourir. Et c'est ça qui est très triste. Alors attention. Ok, il s'y approche tout doucement. J'aime bien quand Sim Spooky joue les héros, les gars. Ça lui va très très bien. Et entre vous et moi, les gars, moi je pense que Sim Spooky a décidé d'aller aider la petite sirène parce qu'il est aussi un petit peu amoureux. Chut, ça faut pas le dire. Attention, ok. Oh, qu'est-ce qui se passe? Attendez, qu'est-ce qui se passe avec la sirène? Oh, mais ça tourne mal là, non? Oh non. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais la sirène a l'air très très agressive. Mais non! Oh, mais Sim Spooky se fait complètement attaquer par la sirène! Mais non, mais c'est pas possible!
Mais c'est pas possible. Mais non, mais je crois que la sirène est maudite. Et oui, je crois que la petite sirène est maudite. Mais non, non, c'est pas possible. Oh non, c'est pas possible. C'est le scénario cauchemar. Mais non, mais ça y est, j'ai tout compris. Les gars, j'ai tout compris. Je crois que la petite sirène s'est fait maudire par Ursula, la sorcière des mers. Et maintenant, elle est méchante. Et ouais, la petite sirène, maintenant, elle est méchante. Ah non, mais non, mais là, c'est pas possible. Attends, non. Mais non, mais qu'est-ce qui se... Mais non, mais Sim Spooky, il est en danger. Et maintenant, Sim Spooky, il est en danger. Il se fait complètement agresser par la petite sirène. Mais non, je crois qu'il le menace de le jeter à l'eau. Non, c'est... Oh là, c'est grave. Là, c'est très, 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 très grave ce qui se passe. J'aimerais pas être à sa place. J'aimerais pas du tout être à sa place. Mais c'est pas possible. Mais... Bon, bah, je crois qu'on va devoir aller aider Sim Spooky, non? Non, 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 attendez. Oh non, c'est pas possible. Non, mais je crois clairement que la petite sirène veut jeter Sim Spooky à l'eau pour le noyer. Mais oui, c'est pour le noyer. Oh non, mais non, mais là, ça vire au cauchemar. Non, mais là, ça, c'est sérieux, les gars. Mais c'est pas possible. Oh non, elle le menace de le noyer. Regardez, c'est limite si elle veut lui carrément lui mettre la tête sous l'eau. Mais non, mais non, mais... Oh non, c'est pas possible. Non, mais gros, mais comment? Je crois qu'il faut que j'aille l'aider. Faut que j'aille l'aider. C'est là-bas, c'est tout au bout là-bas. Vous voyez les pontons là où il y a les bateaux? Mais c'est encore beaucoup plus loin que ça. Venez, 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 venez. Attends, attends. Oh, attends, non, non. Je crois que Sim Spooky a réussi à se débattre. Il a peut-être réussi à s'enfuir. Attends, non, non. Sim Spooky, cours. Mais cours, 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 cours. Ah ouais, ok, ok, je crois qu'il a réussi à s'en sortir. On croise les doigts, oh, oh, oh. Les gars, on croise les doigts. Vas-y, cours, 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 Sim Spooky. Mais cours plus vite. Oh non, mais non, il s'est clairement refait choper par la sirène. Non, c'est pas possible, non, non, c'est pas possible. Elle veut absolument le jeter dans l'eau. Elle veut le noyer, c'est sûr et certain. Elle veut le noyer. Ah ouais, non, mais alors là, Sim Spooky s'est fait piéger. Il s'est complètement fait piéger, les gars, c'est abusé. Et je m'en veux, les gars, parce que bah, j'aurais dû venir avec lui. On aurait dû être à deux. On aurait été à deux, on se serait pas fait avoir par la sirène. Non, c'est pas possible. C'est pas possible ce qui se passe. Ouais, là, je crois qu'il est foutu. Il est foutu et... Non ! Quoi ? Mais non ! Mais non, mais la petite sirène vient de jeter Sim Spooky dans l'eau. Mais en plus, Sim Spooky, c'est pas nager. Je vous le dis, mais je vous le dis, c'est pas nager du tout. Il va se noyer. C'est sûr qu'il va se noyer. Attends, non, j'espère qu'il va pas le laisser se noyer quand même. Ah non, ça va. Ah bah non, bah ça va, regardez. La petite sirène est en train de le rattraper. Mais non. Eh ouais, elle vient de le rattraper. Elle vient de le rattraper. Elle vient de le remettre sur le bord. Mais ouais, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça craint. Non mais regarde, ouais, c'est pas terminé, c'est pas terminé. Le calvaire ne fait que commencer pour Sim Spooky. Il se fait complètement maltraiter. Ça se voit. Regardez, il se fait complètement maltraiter par la sirène. Attendez, mais Sim Spooky vient complètement de se faire prisonnier. Il vient de se faire attacher des chaînes. Ah ouais, non mais c'est bon, c'est sûr, cette petite sirène est vraiment maudite. Et son but du coup, c'est de faire du mal. C'est de faire du mal aux humains. Et ça, c'est sûr et certain. Alors attendez, je vais essayer une petite stratégie, les gars. Avec mon drone, je vais essayer de m'approcher de la petite sirène. Et peut-être qu'elle peut être effrayée par le drone. C'est peut-être une bonne idée. C'est peut-être une bonne idée. Oula. Oula. Bon bah non. Bah non, je crois que ça va pas marcher du tout. Regardez, elle n'a pas l'air d'avoir le peur du drone, hein. Elle n'a pas l'air d'avoir peur du tout du drone, hein. Elle s'en fout. Elle est même en rage. Je crois qu'elle est même en rage contre le drone. Wow. Ah ouais, elle est énervée. Ah oui, là je peux vous dire que le drone est vraiment vraiment en train de l'énerver. Et bah moi je peux vous dire que c'est un bon point positif. Et bah parce que oui, je peux attirer toute son attention. Comme ça on fait diversion et Sim Spooky peut s'enfuir. Mais je crois que... Mais je crois qu'il s'enfuit. Let's go, let's go. Les gars, Sim Spooky a compris la stratégie. Et il s'enfuit. Il s'enfuit. Let's go. Let's go. Sim Spooky devrait revenir parmi nous. Oh, Sim Spooky, reviens. Reviens. Gros. C'était un truc de malade. J'ai réussi à m'enfuir coûte que coûte. Aïe. Cette petite sirène était complètement ensorcelée et maudite, gros. Aïe. J'ai tout vu. Mais de toute façon, j'ai tout vu avec le drone. Viens. On s'en va. Faut pas rester là. C'est chaud. Et oui, faut pas traîner. Faut pas rester là. Moi, je peux vous dire que la petite sirène est devenue complètement maudite. Et oui, je pense que la sorcière des mers, Ursula, lui a jeté un sort. Et là, c'est foutu. C'est foutu de chez foutu. Viens, Sim Spooky. Prends ma main, Aide-moi. Même plus, je suis essoufflé, mec. J'ai fait 300 mètres tout à l'heure. Et oui, on s'en va. Là, je pense que Sim Spooky, t'as besoin de repos. Allez, bon, bah, les gars, je crois bien que c'est dès maintenant la fin de cette vidéo. En attendant, là, pour nous soutenir, mettez tout de suite plein de pouces bleus. N'oubliez pas surtout aussi de vous abonner à la chaîne YouTube. Ça, c'est très, très, très important. Ça vous permet de ne rater aucune des prochaines vidéos. En tout cas, bah là, moi, je peux vous le dire, faut pas rester là. Cours, Sim Spooky, cours.